Vous êtes formidable. Hein. Ah, le côté des magots, j'aime bien. Mais là, pour une fois, enfin non, c'est pas pour une fois. C'est vrai que vous êtes très, très, très souvent formidable et que vous nous faites confiance. Mais là, vous avez été. Euh, c'est même pas un ouragan, c'est même pas un typhon, c'est une tornade. On ne sait plus quoi en faire. Euh, je vous avais conseillé euh, il y a quelques temps de Bernard Prouve, vous savez, le monsieur qui ressemble à un Inde jardin et qui a mangé de la soupe, euh, un livre qui l'a fait paraître à compte d'auteur avec. Les éditions La Brouette, ça savait ça fait rire tout le monde euh, et ça plaît, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Alexis Vasilkov ou La vie tumultueuse du fils de beau passant. Euh, pour moi, c'est un des meilleurs romans de la rentrée. Ça aurait dû être édité par un vrai éditeur au lieu des, des niaiseries qu'on a euh, euh, actuellement. Euh, et je vous avais demandé, bah, faites-nous confiance, euh, lisez-le, ça sera compliqué et tout. Mais alors là, les enfants, c'est... Là, le nain de jardin, il n'en peut plus. Hein. Le monsieur, il est charmant, mais il est épuisé. Il se lève à 4h du matin pour faire ses cartons. Vous avez fait, ex fait exploser sa boîte mail. Donc, on va vous donner une nouvelle adresse mail qu'on mettra euh, voilà, en dessous. Euh, nous, on n'arrête pas. J'ai l'impression d'être au service de... Voilà, je mets dans les cartons. On envoie, on met dans les cartons. Il y a des libraires qui cherchent désespérément à trouver ce livre. Il y en a partout, c'est un enfer. Je, peux dire. je ne pensais pas que... Voilà, c'est... C'est bon, très fort, hein. c'est intense, comme dirait l'autre. Je euh, sais plus la rentrée scolaire, c'est la rentrée Bernard Pro, voyez-vous. Donc euh, allez-y parce que franchement c'est un rêve. Il y a des éditeurs qui commencent à s'y intéresser, il y a les formats de poche qui commencent à s'y intéresser. Euh, et puis franchement, vous allez passer un moment extra. Enfin, moi j'ai passé un super moment. Et c'est un roman où vous allez apprendre plein de, c'est rempli d'aventures, d'histoires, d'amour. De... Enfin, c'est le, le livre idéal, quoi, c'est-à-dire historico détente intelligente, euh, comme on en a peu. Puis en plus, c'est c'est en plein dans l'air du temps, hein, parce qu'on forme une grande communauté, comme dirait l'autre, et la communauté est en train de bah, de vaincre un peu tous ces ces éditeurs euh, officiels qui ont accès aux médias et tout. Et nous, entre nous, on arrive on est arrivé à à faire d'un d'une chose qui n'existait pas. Je parle matériellement de quelque chose euh, que, dont tout le monde parle. Alors. Continuez parce que ce monsieur, il, vous pouvez pas. C'est un tel plaisir de le voir heureux, c'est un tel plaisir. En plus, on a les premiers retours des gens et le retour est excellentissime. Les gens ont adoré ce livre et ils le redemandent. Alors, ce qu'on vous demande aussi, c'est un peu de, de, de patience. Hein. Euh, euh, le pauvre monsieur, il ne va quand même pas se lever à 2 heures du matin pendant 15 jours. Là, il, déjà 4 heures, c'est beaucoup. Nous, on n'arrête pas. Hein. Dès le matin, on a... en on boîte, on en va. La pause de Saint-Maurice demande ce que c'est. C'est une invasion. Donc, on vous les aurait en. en 48 heures, donc c'est quand même pas mal, hein, je crois. Euh, c'est pas non plus 48 heures vous pouvez attendre. Quoique je sais que je sache que c'est vraiment chiant d'attendre quand on a envie de quelque chose. Les libraires, bah, allez-y, monsieur, il vous les enverra euh, sans problème. Euh, il est souvent plus sérieux que certains distributeurs qui mettent beaucoup plus longtemps qu'il ne le met pour... Euh... Et puis lui, il y va avec ses petits bras, sa petite voiture, il fait tout lui-même. C'est un peu comme si vous, vous y... en l'aidant, c'est comme si vous deveniez éditeur. Et puis que votre livre ben, ce livre, c'est un peu le vôtre, hein, parce que ce livre sans vous, il aurait jamais existé. Donc ce livre, c'est le vôtre. Il ne tient qu'à vous qu'il soit encore plus le vôtre. Et en plus vous le lirez, plus j'espère que vous, vous apprécierez, et plus vous en parlerez, et plus il se vendra, plus on a des chances de le faire édité avec une autre couverture avec voilà un, un, pas un vrai éditeur parce que c'est mais quelqu'un qui a un grand système de distribution puis plus on a des chances qu'il soit édité en poche les enfants donc allez-y je peux pas faire mieux je peux pas vous remercier plus mais ce n'est qu'un début et je pense que la prochaine fois je vous refais un petit clip pour vous remercier parce que vous êtes encore plus formidable que là, la... voilà ça s'appelle Bernard Prou Alexis Vasilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant édition la brouette non, c'est même pas de la brouette, hein. c'est édition brouette, hein, parce qu'il avait pas assez d'argent pour mettre le là, c'était plus cher en, en après -midi. Et là, vous allez avoir le, 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 le nouveau site. Hein. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez le commander chez nous, il hein. n'y a pas de problème, euh, c'est le, le même monsieur, donc on l'aide euh, du mieux qu'on peut. Euh, voilà, merci, et puis euh, bah, à la semaine prochaine pour un nouveau clip avec ce, j'espère, il sera en rupture de stock, tellement vous l'aurez acheté et commandé.